Aujourd'hui, pour la Volticam, on fait quelque chose de très spécial. On a un invité unique, c'est Vincent Turgeon. C'est un partisan des Voltigeurs depuis aussi longtemps que je me souvienne. Il est là à tous les matchs et il aime beaucoup Joe Veleno. Lui, son rêve, c'est de rencontrer Joe Veleno et de ramasser un maximum de toutous pour le match des toutous le 2 décembre prochain pour lancer ça sur la glace puis aider la Fondation Sainte-Croix-Hériot. Aujourd'hui, on lui a pas dit pourquoi qu'on le faisait venir au Centre Marcel Dion, mais on va pas réaliser un de ses rêves, on va en réaliser deux. Comment ça va, Vincent? Ça va bien. Vincent, toi, ça te tentait de faire une Volticam. Ça fait quelques fois que tu me le disais. T'es-tu content? T'es la vedette de la Volticam aujourd'hui? Oui, je suis très content. OK, excellent. Je pense que t'as amené des choses. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça que tu nous montres ça. C'est vraiment beau, qu'est-ce que t'as fait. Explique-nous qu'est-ce qu'on a là-dessus. Là. Le joueur Joe Veleno. C'est ton préféré? Ça, c'est mon préféré. OK. Ben écoute, ça paraît, c'est une super belle affiche. C'est son équipe qui l'a repêché ici. Ça, ça va. Là, t'as tout fait ça. Évidemment, quand tu viens voir les matchs ici, tu cries tout le temps pour Joe Veleno. Oui, oui. OK. Excellent. Est-ce que tu vas être là le 2 décembre pour le match des toutous? Oui. Moi, j'ai entendu dire que tu avais le goût de ramasser un maximum de toutous pour aider la Fondation Sainte-Croix-Hériot, qui vont les ramasser, les laver, les redistribuer à des jeunes d'ici. On a une bonne nouvelle pour toi, Vincent. La vraie raison pour qu'on t'a fait venir ici aujourd'hui, là, c'est pour t'annoncer ça, c'est que nos amis du Village des Valeurs vont rassembler pas un, pas deux, pas trois, mais quatre gros sacs de toutous juste pour que tu puisses les lancer sur la glace. C'est bon, ça? Oui. Go, Voltigeurs, go! T'es content? Oui. Ah, ben ça, tu parles d'une bonne nouvelle. Très content de te faire plaisir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre aussi pour te faire plaisir? Bon.